De suite, ministre de l'économie en ces temps de récession, ce n'est pas vraiment une sinécure. Ce n'est pas une sinécure, mais je dirais que c'est très différent de secteur à secteur. Et surtout, je tiens à dire que ce qui me frappe le plus, c'est la volonté des entreprises, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises, des travailleurs à faire front. Alors, c'est plus dur dans un certain nombre de secteurs. Nous savons bien ici, en région liégeoise, dans tout ce qui est la sidérurgie. Mais par contre, j'ai beaucoup de projets dans la santé, dans les biotechnologies, dans un certain nombre même de constructions métalliques. Et donc, je dirais qu'il faut faire front. Et ce genre de salon, c'est justement aussi de permettre aux entrepreneurs, un, de se demander comment réagir aux problèmes de financement, aux problèmes de marché. Nous devons quand même rappeler que les exportations wallonnes au premier semestre ont augmenté pour ce qui est hors Europe. C'est ce que elles ont diminué oui, pour l'Europe, mais hors Europe, elles ont augmenté de plus de 16% vers la Chine, l'Inde, notamment l'Amérique du Sud. Donc, je dirais qu'il y a de véritables opportunités à saisir dans cette période de crise. Ceci dit, il y a des entreprises aussi à aider, probablement à soutenir. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle pour le gouvernement wallon, qui d'un côté doit faire des économies drastiques et puis qui d'un autre côté, sans doute, reçoit pas mal d'appels à l'aide des entreprises. Donc effectivement, on connaît au début de l'année 2009 le plus grand nombre de dossiers que nous n'ayons jamais connus sur un semestre. Mais d'un autre côté, il faut se dire aussi qu'on a aidé, que beaucoup d'entreprises, grâce à ces aides, ont pu déjà passer le cap et se projeter vers 2010-2011. Certaines ont dit qu'après cette aide, 2010 se présentait mieux et elles ont pu s'adapter. Deux, le gouvernement, dans son budget 2010, a voulu protéger l'économie. Vous savez comme moi que l'économie, ça touche un nombre limité en termes d'intervenants politiques. Et donc, dans les grandes protections, je dirais que l'emploi, l'économie et le social ont été des éléments importants. Mais le plan Marshall 2.0, tout comme le plan Marshall, ont été protégés, ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, non seulement nous allons continuer ce qui a été fait sous la précédente législature, mais même nous allons l'amplifier. Et je pense que pour toutes les entreprises, c'est un signal positif. Alors on parle...